Nous sommes toujours en train de parler de la nuit de mardi, c'est ça, hein? Vous avez précédemment déclaré que ces heures étaient passées à cirer et à faire briller le sol. Oui, principalement. Vous consacrez beaucoup de temps à faire briller le sol. Et il faut dire que le marbre est très particulier, monsieur. Il nécessite un certain type de polish et demande beaucoup de temps. Et voyez-vous, c'est une tâche que je chéris, monsieur. C'est comme prendre soin du trône d'un palais, j'imagine. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Et vous avez perdu quelque chose ? Non, monsieur. Alors déplie-toi, Ouistiti, et porte ça si t'en as la force. Oui, oui monsieur. T'as vu la Rolls-Royce ? Je vais conduire, je veux voir si Stoddbou va aussi vite qu'on le dit. Excusez, mais vous savez pas conduire, monsieur. Ah bon ? Ah bah alors il est temps que j'apprenne. Allez, va coucher derrière, toi. Je vais à l'arrière aussi, moi. À moins que tu préfères rentrer à pied. Non, merci, non. Non, je vais vous expliquer, mon vieux. Non, mais je suis pas votre vieux. Oh, pardon, ma vieille. Jim Douglas, croyez-moi, je suis désolé. Vous croyez que parce que je suis une femme pilote de course, vous avez le droit de faire tout ce qui vous passe par la tête, hein? Ah non, mais j'y suis pour rien, moi, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Roméo. Ah oui, tous les mêmes, hein. C'est la faute du mécanicien. Ah non, c'est... Roméo, c'est l'autre. Et c'est un engin qui a de la personnalité. Oui, enfin, je sais que ça a l'air bizarre. Cinglé, serait plus juste. César, mon neveu. Escroc, Vignouf. Je suis là! Répouille! C'est moi! Où es-tu? Là-haut! Où, là-haut? Par ici! Ah, il est là! J'arrive! Ah! Alors, vieille chouette! Oh! T'es sorti de ton trou? Tu as besoin de moi? J'ai une proposition à te faire. C'est bien payé? Une fortune? La mienne. Tu me prends pour ton âne? Ah, c'est ça! Non! Par là! Non, pas par là! Va plus loin! Ah. Bonjour, messieurs. Ouvrez les rideaux, je vous prie. Il est anglais, il vient d'avoir 21 ans et il s'appelle John Merrick. Chers confrères, j'ai dans ma profession été souvent confronté à de multiples difformités de la face, accidentelles ou congénitales. J'ai vu des mutilations et des malformations du corps de toutes sortes. Mais je n'ai encore jamais vu une malformation et une dégradation aussi totale chez un être humain. Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route. L'homme que nous appelions Max. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre. Je continue à avoir des doutes. Oh, moi aussi. Par exemple, j'ai regardé ses chaussures. Oui. Les talons sont éculés. Et je ne vois pas comment un homme qui passe sa vie en chaise roulante peut user les talons de ses chaussures. Oui, mais alors, s'il n'est pas le vrai Stephen Baldwin, où est Stephen Baldwin?
Je sais pas, moi, si je peux pénétrer chez Baldwin, je saurai peut-être la vérité. Mais comment veux-tu y arriver? Ils nous connaissent. Eh bien, il faut trouver une personne qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un m'a sonné. Hey, tu es passé dans le quartier et tu es entré pour dire bonsoir. Je suppose que tu étais au courant de mon retour en ville. Tu as replacé la photo de papa. Oui, c'est sa vraie place ici. Elle n'aurait jamais dû être accrochée dans le bureau. Oui. Tu veux un verre, Bobby? Mais oui. Qu'est-ce que tu bois? Du thé glacé. Les docteurs m'ont fermement conseillé de ne plus continuer. Ça me surprend. Oui, mais moi aussi. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Vous comprenez ce que je dis? Habla usted español? Américain. Moi, américain. Américain? Vous, appareil, voir? Planer et tomber. Colonel Austin, je m'appelle Sœur Thérèse et voici Sœur Annette. Vous compreniez ce que je disais? Oui, et nous espérons ne pas commettre une erreur en vous faisant confiance. Vous m'aviez compris et vous me laissiez... N'oubliez pas le... Et que peut-on faire pour vous? Je dois retrouver cet avion à tout prix. Ici Crowell. Qu'est-ce que vous dites? Un centre régénérateur des envahisseurs dans la centrale thermique de Granville. Un centre régénérateur des envahisseurs? Vous en êtes vraiment sûr? Absolument. J'ai essayé de joindre Mills. Il avait demandé que je vienne le retrouver ici. Il est ici avec moi. Vous avez vraiment vu ce que vous dites? Il y a 10 minutes environ. Docteur, c'est la meilleure preuve pour les vieux séniles de votre commission. Vous pouvez venir voir? Oui, oui, on part tout de suite. Si vous avez une arme, prenez-la. Attendez que je raconte ça à Logan. Là, il va pas être content. Oh, mes pieds! Amenez-les par ici. Bon, où sont les roues de la voiture? Ah, ça! Tu veux aussi un petit graissage gratuit ou tu réponds? Non, 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 elles sont là-dedans! Ah, c'est-il pas mieux comme ça? La caverne d'Ali Baba. Je sais que ça sera très pénible, mais pour l'instant, il n'y a rien de mieux à faire. Alors au travail! Et en vitesse! 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. Tu sais, ami Robin, tu cours beaucoup trop de risques. Des risques? En plaisante idée. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, petit Jean. Oui. Regarde ton couvre-chef. Ce n'est pas une chandelle sur une galette d'anniversaire. Oh, tu Dieu. Celle-là a failli s'appeler Adieu Robin. Ils sont en progrès. Tu es forcé de l'admettre. Ils sont en grand progrès. Eh oui, la prochaine fois, ce shérif va probablement nous passer la corde au cou. Pendu, nous aurons un rire étranglé. Ah, le shérif et tous ses hommes d'armes ne pourraient te soulever de terre. En garde! Eh, fais attention, Robin, j'ai pas d'autre couvre-chef. Oh, mais tu te fais beaucoup trop de tracas contre... Double erreur, Willy, je t'entends et je n'ai aucune prétention. Oh. Tu as tout à fait l'air d'être au bord de la mer, Alexandre le Grand. Très bien observé, mon cher Philippe. J'étais justement en train de rêver que j'étais en croisière sur la mer Méditerranée. Où est la mer Méditerranée? Qu'est-ce que c'est qu'une croisière? Tu ne sais pas, mais en effet, comment saurais-tu? Je vais, si vous voulez, vous raconter l'histoire d'une croisière. Ah oui, raconte, avec la chaleur qu'il fait, ils sont tous à cran. Ça détendrait l'atmosphère. Laissez-moi me rappeler, voyons, je cherche comment cette histoire a commencé. Ah mais oui, à Nice, par un été aussi merveilleux que celui que nous avons. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Capitaine Flamme, tu n'es pas le capitaine Flamme.
mais j'ai envie de voir la suite, moi. Allez, on se regarde l'autre épisode. Il n'y en a pas. Quoi? Ils ont tout annulé, il n'y a pas de suite. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est devenu la mine d'or et les gentils petits animaux? Et la dynamite, c'était un bon feuilleton. Pourquoi l'avoir annulé? Deux mots. Spoutnik. Depuis qu'on a conquis l'espace, les enfants ne veulent plus que des jouets intergalactiques. J'en sais quelque chose. Nous allons être vendus au Konishi Museum des jouets de Tokyo. C'est au Japon! Nous sommes restés longtemps enfermés dans le coffre, à attendre ta venue. Pourquoi moi? Le musée se porte acquéreur de la collection seulement si tu en fais partie. Sans toi, nous retournons dans le coffre.